Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête en panne d'essence, même quand il y en a, Titoff. Bonjour. Une grosse tête qui est passée de cloche Europe 1 à montre RTL, Julie Leclerc. Bonjour, restez assis. Une grosse tête qui tous les soirs fait chanter le théâtre des variétés, Michel Bernier. Bonjour. Une grosse tête dont le stand-up prouve qu'il connaît le reste de l'alphabet, Az. Une grosse tête victime d'un chagrin d'humour, bientôt en librairie, Sébastien Thoen. Une grosse tête qui, quand il passe devant SDF avec une pancarte « J'ai faim », dit toujours « Moi aussi », Bernard Mabille. Oh, c'est pas gentil, hein. Ah si, il paraît c'est que vous faites gentil. Ça. Non. Ah si, il paraît gentil. Que dès que vous voyez un sans-abri avec une pancarte « J'ai faim », vous dites « Oui, bah moi aussi ». Oui, ouais. Bah tout le monde à un moment. C'est pas gentil. De toute façon, vous avez toujours faim, Bernard. Moi, après 3 Big Mac, je cale. Vous notez quand même que j'ai fait de la pub pour votre livre. J'ai tellement hâte qu'il sorte. Je l'ai relu hier. Il sort quand, vraiment ? Il est génial, le 2 novembre. Le 2 novembre ? Ouais, ouais. C'est un quel jour ? C'est un mercredi. Ah. Putain, en plus, c'est 48 euros, c'est offert. Ah oui, c'est cher. Il y a une blague toutes les deux phrases. Elle n'est pas bonne, la blague. Il y a une blague toutes les mais deux vous phrases. Mais vous l'avez écrit vous-même ? Bien sûr que non, il n'y a que Yann Moix qui écrit ses bouquins. Vous l'achèterez, vous, son livre, Julie ? Ah oui, non, mais c'est gentil. Vous aimez bien Thoen, vous, alors ? Ah, bah oui, ah c'est j'adore. Vous ? J'adore. Mais il doit être court, si c'est sur ta carrière, non ? Oui, il y a une dizaine de pages, mais il y a des coloriages hyper bien, c'est pour les enfants aussi. C'est la préface la plus longue, je crois. C'est un éditeur qui vous a demandé de faire ça. Alors. HarperCollins, absolument. HarperCollins. Qui édite Paul Elkarat. Donc ils prennent tous les cas sociaux, puis ils leur font faire des bouquins. Et moi, il n'y a plus que toi, tiens, bah viens. Bon, allez, je vais passer à une première citation, il vaut mieux. Une citation pour Stéphane Berthaud, qui habite Saint-Porquier, qui a dit « Je sais maintenant pourquoi les Anglais préfèrent le thé, je viens de goûter leur café. » Un Américain ? Jeanne d'Arc ? Non, alors écoutez, je compte sur vous d'ailleurs, Bernard Mabie, parce que c'est un vieux chansonnier qui a dit ça. Bah alors c'est... Pierre, Amadou, Jean Amadou. Non. Sim ? Jacques Grélot. Non, vous avez failli le dire. Moi ? Oui. Jacques Grélot. Non. Jacques, Robert c'est un Roquin, Jacques. Robert Roquin. Mais non. Est-ce que c'est un Jacques ? Non. C'est un Jean, c'est un Jean. Est-ce que c'est un Ramad ? Non. Ah, c'est pas Ramayad ? Non. Parce que Ramayad, mais oui, la grande. Oui. Oh Amadou. Mais il vit encore ? Ah non, il est mort, non. Ah. Il est mort avant vous. Chartrainé. Il est mort en 88. En 88 ? Charles Aznavour. Il faisait Pierre-Jean Vaillant. Pierre-Jean Vaillant. Ah, ouais. Bravo.